Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo box beauté de ce mois-ci. Donc elle se présente comme ceci, elle est juste magnifique, tout aussi élégante que d'habitude. Donc voilà, j'adore énormément la boîte, les couleurs du printemps qui arrivent aussi également. Donc voilà, c'est très, très élégant. Vous avez bien sûr le catalogue L qui se présente comme ceci, donc toujours aussi épais, voire un peu plus épais que d'habitude parce qu'il me semblait qu'il était un peu moins épais ces temps-ci. Mais comme ma mémoire me joue des tours. Donc on va commencer tout de suite avec la box. Donc comme d'habitude, vous avez la petite phrase en anglais. Vous avez le petit catalogue avec les produits et plein d'autres choses. Voilà. Et l'annonce du produit qui sera dans la box du mois prochain. Et là, j'ai vraiment hâte parce que j'adore ce masque. C'est mon masque chouchou et c'est le Super Mute de Glam Glow. Donc, hâte, très hâte. Excellent, excellent. Donc, on va commencer tout de suite avec la box qui est bien remplie, bien chargée, qui est juste sublime. Je vais commencer tout de suite avec deux fards à paupières. Donc, ça, c'est un duo de la marque Douce. Enfin, je ne sais pas si ça c'est Douce parce qu'il y a deux C. Donc là, c'est un duo. Ils nous ont mis 78 Kate et 80 Tinley. Ou Tinley, je ne sais pas trop comment on dit. Donc, vous les avez comme ceci. Donc, bien sûr, je vous ferai un gros plan. Donc, ça, c'est des full size. Les couleurs sont juste magnifiques. Je vais vous enlever les protections de devant, sinon vous allez avoir des reflets. Et ils sont juste magnifiques. Je vais vous les swatcher tout de suite. Donc, il y a le clair. Kate et le foncé Tinley. Hop. Ils sont super pigmentés et ils sont très jolis. À mon avis, ils vont aller à tous les yeux parce qu'ils sont magnifiques. Les couleurs sont très très bien choisies. Très très bien choisies et la pigmentation est excellente. À tester. J'ai hâte de pouvoir les tester. Ensuite, nous avons ce produit-ci. Donc ça, c'est un masque défripant instantané de la marque Renew Skin. Donc ça, c'est pour les peaux matures. C'est un format de 30 ml. Donc à laisser poser 5-10 minutes et à rincer. Donc voilà. Même si on est jeune, franchement, moi, ça ne me dérange pas d'avoir des produits anti-âge. Parce que j'aime bien intensifier l'élasticité de ma peau et tout ça, tout ça. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons ce produit-ci. Donc ça, on avait déjà eu des masques, il me semble que c'était pour les mains, j'avais adoré. Donc là, c'est pour les pieds et ça tombe à pic, donc c'est de la marque Skimono. Donc ça, c'est le Total Conditioning Plus. Bien sûr que je vous traduirai tout le petit texte, mais en tout cas, il y a de l'huile d'olive, il y a de la camomille, il y a de l'arbre à thé, enfin ça a l'air excellent, excellent. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester parce qu'en ce moment, je suis en train de faire un espèce de micro peeling à mes pieds. Donc après, je pense qu'il va avoir besoin d'un bon gros réconfort, donc ça va être génial. Ensuite, nous avons ce pinceau ovale de la marque Steen London, qui est super doux. J'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir. Il est super doux. Il est excellent, excellent. Il est très doux, très... voilà, excellent, excellente. La douceur est excellente. Donc ça, ça va être plus soit pour le contouring, soit pour l'anti-cerne. Enfin, tout ça, pour le fond de teint, je pense qu'il serait petit et vous aurez un peu de mal. Mais sinon, voilà, ça va être excellent. J'ai hâte de pouvoir le tester. Ensuite, nous avons ce produit-ci. Donc ça, c'est un gloss repulpant lèvres. Donc lui, il doit stimuler, restructurer et éclaircir. Donc étincelle de jeunesse pour des lèvres au quartz de rose. Donc là, je l'ai posé sur mes lèvres. Vous le voyez quasiment pas. Parce qu'il se voit quasiment pas et c'est un full size de 8 ml, donc c'est un très grand format. Donc lui, il me semble que c'est aussi, aussi un soin, il me semble. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai le descriptif en plus sur la vidéo. Mais peut-être utilisé seul ou accompagné d'un rouge à lèvres, donc l'huile de menthe poivrée vise à raffermir, repulper et hydrater les lèvres. Voilà, pas besoin de vous l'écrire. Tout est écrit dessus et il est juste excellent, excellent. Il y a très peu de produits, il ne colle pas à l'embout, voilà, c'est un embout mousse, hein, comme d'habitude. Mais voilà, excellent, il ne colle pas, on le voit à peine et il est super agréable à porter. Moi, j'adore ce genre de produit, donc je suis plus que ravie. Et ensuite, on va terminer cette vidéo avec ce produit-ci.
Donc ça, c'est la crème équilibrante de chez Omorowidza. Donc ça, c'est un format de 30 ml. Donc ça, j'ai hâte de pouvoir le tester parce que ça doit hydrater tout en donnant plus d'éclat à la peau. Et on peut le mettre, le poser après nos sérums à nous habituels. Donc j'ai hâte, sachant que j'ai une brume de cette marque-là, j'ai toujours pas encore testé. En même temps, quand on a une tonne de produits à tester, voilà, on prend un petit peu de retard dans plein de choses. Mais voilà, j'ai tellement hâte de pouvoir la tester et de voir comment ce qu'elle donne. Donc je suis plutôt ravie. Donc ce mois-ci, on est bien gâté et bien fourni. C'est énorme. Moi, je la trouve excellente. Enfin, moi, elle me déçoit jamais cette box-ci. Donc voilà, je suis plus que contente et plus que heureuse. Il y a toujours des soins pour tout, du make-up. Enfin voilà, c'est toujours tout bien pensé, très bien attentionné. Donc moi, j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette box. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.